Deux pages, deux feuilles, trois pages d'instruction et une image avec explication. Planche. Deux planches ACP plus une petite planche, un tiers de la planche et un mini planche avec les numéros, c'est bien. Et après, il n'y a plus rien dedans. Le sachet d'outils et la boîte à musique. On va voir. Une baguette. Le papier vert. Il a une bonne taille. De 400 centimètres, c'est bien. Trois tiges pour faire tenir la baleine, comme sur l'image. Et les quatre vis pour faire tenir la boîte à musique. Trois vis. Et celui-là, un tournevis jetable, la boîte à musique, on va l'écouter. Donc, comme on peut entendre, le son est très faible parce qu'on le tient à la main.
Le son est beaucoup plus pur et plus net sur le métal. C1, C2, C3, B2, B10, B7, B7, B8, B7 plus longue, B8 plus courte. B7, B8, C2, C1, C3, B2, large, courte, B10,
A101, A102, A103. A101. Donc ça rentre jusqu'au fond ici. B9, B3. B6. B1. Pièce H. Ça rentre tout seul. A4.
C'est qu'un numéro. C'est pas un numéro. Donc je mets taper gauche, droite. En fait, si vous regardez bien le cadre du fond, c'est pas pareil les deux côtés. Ici c'est plus large, ce côté. Et ici, cette partie-là est plus fine par rapport à celle-là. Donc cette partie plus fine, ça va vers la droite. La partie droite. La partie gauche, celle qui est plus large sur ce côté. Donc, comme ça. Pourquoi c'est très important en fait ça? Parce que quand on monte le mécanisme, là, les roues, le mécanisme, donc lui, il va dans le trou, c'est normal, et lui, il va dans le trou là. Sauf qu'une fois installé, parce qu'au début, c'est pas indiqué dans le, mais il faut bien regarder dans la notice, bien regarder sans indication. Comme... Donc, je vais vous montrer ce que je fais. En fait, j'ai installé comme ça. Donc, la partie épais, large, la partie fine, ce côté. J'ai le monté comme ça. Et après, donc, oui, c'est ici, normal. Et ici, c'est ici. Quand on tourne la musique, regardez ce qui va arriver. Là, regardez, là, la roue. Il est coincé à cause de cette partie qui est trop large. Du coup, quand on tourne la boîte à musique, ça coince. Le fond, il est coincé là. Donc, bien faire attention à faire en sorte que cette partie fine vient de ce côté, à droite, des droites, gauche, partie large. Et là, si on fait comme ça, eh bien, ça tourne bien. Ça ne gêne plus. Parce que, là, regardez, il y a largement la place pour tourner. Donc, ça ne coince pas. Alors qu'avant, ça coinçait sur cette planche plus large. Donc du coup, j'ai tracé les traits pour pouvoir scier la partie qui dépasse. En fait, non. Il suffit juste de tourner de sens. Et lui, pareil, il faut faire attention. La planche, les deux côtés n'est pas pareil par rapport au trou. Ici, c'est plus large. Ici, c'est un peu moins large par rapport au tube que j'ai inséré dans la planche AD. Donc, si on regarde bien, la tige du milieu, il y a moins d'espace au fond et il y a plus d'espace ici. Donc si on fait ça, on a tout faux. Donc déjà les trois trous, c'est par rapport aux trois ronds pour faire bouger. Donc c'est comme ça. Au cas où vous faites erreur comme ça, du coup il y a beaucoup plus d'espace ici et moins d'espace ici, alors que la tige ne sera pas aligné avec les roues pour faire tourner. Donc à faire attention que moins d'espace ici, plus d'espace ce côté, pareil que ici, afin que les tiges ici puissent se positionner exactement au même endroit que les ronds pour faire bouger la baleine. Il se met tout juste en dessous. Donc, ne pas tromper en faisant ça. Le trou ici, très proche, sur le côté, pour lui. Et le trou ici, éloigné. Ici, plus court. Ici, plus large. Ici. Donc, tout ça, c'est pas indiqué non plus.
en faisant attention dans la notice, il n'est pas dit. Donc, trois erreurs que j'ai fait. Voilà, là maintenant c'est bon. Les trous, tuyaux qui dépassent vers le haut, mais qui ne dépassent pas vers le bas, sinon ça va coincer aussi. Donc du coup, là c'est bon. J'ai poli les côtés, les coins, j'ai arrondi les coins. Tous les bords, j'ai arrondi. Passer à travers. B6. La roue. Je vais pousser. Ça ne coince pas. Faut mettre une goutte de colle forte pour que la pièce ne puisse pas ressortir et tout le reste va partir. Il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà, à peine par le fini, il est parti. Ouais.